Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour FIFA 24, la carrière Concarneau. On est premier. Ah, on est deuxième, non, on n'est pas premier, que je raconte moi, je raconte de conneries. Bon, moi on est. Pour le moment on est qualifié pour la Ligue 1, donc c'est bon. On va jouer trois matchs, Saint-Étienne, Pau et Lille. Je crève de chaud. Putain, il fait 23 degrés. Allez, let's go. On commence déjà, oui, direct. On perd pas de temps. Impossible de se cacher, l'heure de vérité a sonné. C'est maintenant ou jamais. Rendez-vous dans un match. Atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver. Ouais, Saint-Etienne. Ils descendent en Ligue 1. Benjamin Da Silva, en Ligue 2. C'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. J'ai pas réussi à rattraper ma connerie, mais je me suis encore plus enfoncé. Ils descendent en Ligue 1. Non, c'est pas possible. Ils descendent en Ligue 2. Comment tu veux qu'ils descendent en Ligue 2 s'ils y sont déjà? C'est ça le football. Je te dis, mais frère. C'est pas du football. Je suis un grand le 11 titulaire. Voilà la composition officielle de cette équipe. Putain, je vois flou là. Et je vois tout en flou moi. Et ça doit être la chaleur, ça, et la fatigue. Fossurier. Il fait chaud, hein, 23 degrés dans la chambre. Hein. Ça pèse. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ça pète. Centre, 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 sale bâtard. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Oui, j'insulte gratuit mes collègues. Ah, là, il protège bien le ballon. Et le tir. Et le gardien était bien vigilant. Un corner qui est bien ajusté. Ah là là, wow. Pas bien tiré du tout ce corner. Ouais, de la graisse là, que de la graisse. Ah bah oui. Sur moi, vous verrez que de la graisse. T'as rien à voir. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Allez. Allez. Je sais pas, je sais même pas c'est qui. Très bon geste défensif. Atou Benzika. Frère. On peut t'appeler par ton prénom. Pas pour être méchant, mais voilà. Cafaro. Attention, là, il y a un but qui va d'être marqué sur un autre terrain, c'est la rencontre de Grenoble. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de Grenoble, un but à zéro donc, après 26 minutes oui, de jeu. Oui, le SM quand il perd. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. Mais bon, nous, on n'est pas... Un ballon intercepté, bonne intervention. Bah ouais, ouais c'est bon. Ah, c'est un crève de chaud, là, putain. Oh pardon les chefs. Ah ouais. Bah les lapartes ma bouteille. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Et c'est perdu là le ballon et c'est donc repris par l'équipe adverse. Tardieu. Moussi Tioko. Oui. Et voilà le premier but de ce match, celui qui fait beaucoup de bien au mental. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis d'accord. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. La ah, genre. Conclusion de cette oh, leur putain de bouchon à la con là, putain. Eh, je vais porter plainte. Hein. Putain, les écolos cassent les couilles à cause d'eux, il y a plein de merde. Ah, l'air bouchon à la con là. À cause d'eux, il y a des bouchons à la con que t'arrives pas à fermer. Putain, les écolos, je te jure. Hein. Écolo de quoi, frère? Tu balances de la peinture chimique sur de la peinture à l'eau. Je dis pas qu'il y a un souci, mais il y a un souci. Hein. Enfin, après, je dis rien. Hein. Moi, je suis pas écolo, donc je peux pas savoir. Après, je pense très bien qu'un écolo sait que la peinture chimique n'est pas polluant, tu vois. Ça ne pollue pas la planète, la peinture chimique. Alors que la peinture à l'eau, ça pollue vraiment. C'est dangereux pour notre planète, la peinture à l'eau. Sachant que 90% de la Terre
est recouverte par l'eau. N'est-ce pas les écolos? Ah mais non, c'est de l'eau chimique. C'est pas pareil. Non, je rigole. Mais tout ce que je dis est vrai. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Je te jure, deux tartes dans la gueule les écolos. Pareil les véganes. Les véganes, tu leur mets une tarte, ils tombent. Ouais. Parce qu'en mangeant des animaux, t'as de la force animale. C'est récupéré par l'adversaire. C'est la chaîne alimentaire. Ah, on va se calmer, Pépé. Hein. La frappe. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Pas des trucs comme ça, toi. Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Ça, j'y crois pas. Le dernier transfert important de sa carrière, son expérience et son professionnalisme vont faire beaucoup de bien à ce nouveau club. Oui, il faut le but et le goal. L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait voilà, il y avait juste à parler des vegans et des écolos et c'est bon, ça partait. Avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Bah ouais, regarde, Saint-Etienne, ils ont la couleur des écolos, là, en vert et blanc. Surtout en vert. Et même leur nom, c'est comme des écolos, les verts. Je te jure. Même les Stéphanois, Stéphane, tu vois, c'est... Ouais, non, bah non. Stéphane, bon, ça veut rien dire. J'avais un entraîneur de tennis qui s'appelait Stéphane. Oui, je me rappelle pas qu'il était écolo. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Juste pour vous rappeler, la je me dis, c'est pas moi-même. Là-bas! Merde, mauvais! Oh, c'est pas grave, c'est passé. Un ballon récupéré. Clean sheet. Moi, je fais clean sheet, moi, tout le temps. Tu crois quoi? Ballon pour Mathieu Cafaro. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Frère, je vais m'endormir sur place là avec vos jeux de passe à la con. Oui, c'est bien fait ça, touche à suivre. Je suis violent dans cette vidéo. Et un changement donc. Les pauvres vegans et les pauvres écolos, attendez, ils perdent. Un but, là, c'est dans non, le genre, match de tu vois, ceux qui roulent en Tesla, c'est des bons écolos. Ils sont bons pour la planète, ces personnes. C'est des bonnes personnes. Ouais, c'est bien noté, merci. Ils sauvent notre planète, tu vois. Et voilà une bonne séquence de conservation avec le retour. Rouler en Tesla ou en voiture électrique, vous sauverez la planète. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Pas du tout. Hein? Bon placement. Ouais, j'aurais dû, moi, récupérer. Honnêtement, moi, je m'en fous, hein, tu vois. Moi, je préfère les voitures thermiques. 5 minutes encore thermique, à jouer dans ce match. Parce que ça me fout la gerbe, les voitures électriques. Et puis quand tu veux rouler une voiture qui fait aucun bruit, sérieux. Putain, moi, je veux démarrer le moteur et là, pour réveiller tout le voisinage. C'est ça que je veux quand j'ai une voiture, moi. C'est réveiller tout le voisinage quand j'allume le moteur, là. Hop, c'est l'heure de se lever, là, pour partir au boulot. Tout à fait mérité, bien obtenu, à mon avis. Oh, dans mon village, le seul souci dans mon village, il n'y a personne qui peut partir au boulot parce que la moitié des gens dans mon village, c'est des vieux. Faut être honnête. Le but! Et le but! Non! Comment c'est possible? De loin, j'ai vu l'action, t'étais devant. Non, mais c'est quoi cette blague? J'ai l'impression de me voir, moi. Je parle de FIFA, moi, je joue pas au football. Là, je suis trop gros pour ça, tu vois. Moi, ça serait plus le rugby. Très bien tiré dans la surface. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Ah oui, tranquille. Mais regardez, il joue sur un terrain vert. La fin du match avec une explosion de joie. Ah merde, c'est notre terrain. Parce que c'est une victoire à domicile. Hey, j'allais remettre une couche par rapport au Stéphanois en disant que regardez, je joue sur un terrain vert. Voilà, ça a l'impression que c'est des écolos les Stéphanois. En fait, quand on joue à domicile. Oh putain, je me suis dit qu'ils m'ont même là. Ah putain, je me suis oh, les gars, vous abusez là, sérieux. Oui, quand ils ont perdu, on repasse premier. Olé, olé, allez Concarneau. Eh, vas-y, on invente un nouveau chant pour Concarneau, les gars. Que voyez que vous voyez. Eh, mais je sais pas parler. Arrêt avec plongeon, ça c'est bien. Que vous soyez supporter ou pas,
Les gars. Il faut inventer un nouveau chant pour Concarneau. Concarneau, c'est les best, ok? Eh, je te jure, je vais avoir tous les gens de Concarneau avec moi. Merci Romain. Je suis jamais allé à Concarneau, mais pour moi, Concarneau, c'est les best là. Ils ont une ancre, un bateau, donc c'est au bord de la mer. Est-ce que j'ai tort? Parce que si t'es une ville en plein milieu de la France et sur ton écusseau, t'as un bateau et une ancre, je me pose. Tu fais de la pêche dans un lac ou quoi? Et je vous jurerais, là sur le coup, j'aimerais bien aller visiter Concarneau. Si vous me payez un billet, je viens à Concarneau, les gars. Bon, après, vous prendre des vacances. Hein. Ah, bien sûr, je présente. Hein. Ça n'accepte jamais. Hein. Je paye moi-même mes affaires. Ouais, mais Romain, de toute façon, on t'aurait rien offert. Hein. Pour vous faire vivre ce moi, j'offre rien aux grosses merdes comme toi, au moins. Ouais, je me doute, t'inquiète, poulet. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. Ouais, je vais allumer la clim, moi. C'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne. On est au printemps, hein. C'est l'heure d'allumer la clim. Hein ? Eh, on peut pas perdre, les gars. Si on perd juste avant le match de Lille, je vous jure. Eh, je vous soulève tous, hein. Pour cette équipe. Bon, ça serait dur, tu vois, parce que formation. Ça serait dur. J'ai pas de réplique. Eh, mais il est beau le fond avec les arbres, les maisons à l'arrière, c'est beau. Bon, on est à peau. Hein. Très bonne intervention. Eh, j'aimerais trop visiter tous les stades de France. Une donnée intéressante à retenir. Ouais, non, je vais rien dire. Non, je vais pas faire ça. Simplement la meilleure défense. Parce que c'est un Milan très intéressant en matière d'équipe. Genre visiter là le stade de Pau. Et les capacités à ne pas être en danger. Sur ce plan, chaque stade de club qui sont en Ligue 1, c'est un modèle cette saison. Oui, je fais que 3 matchs aujourd'hui. C'est pour ça que vous m'entendez parler depuis avant, dire des conneries. Il passe pour faire bouger le bloc. C'est dégagé et donc attention. Que, voilà, il faut bien que je discute. Hein. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Oui, le centre dans la surface. Intervention et donc danger écarté. Ah ouais, tu crois quoi, toi? Pour être sûr, est-ce que c'est moi qui l'ai arrêté le ballon? Je regarde juste la ralenti. Hein. Pour être sûr. Voilà, je vais prendre ça comme miniature. Un double arrêt. Voilà, le double arrêt. Ah, c'est le double arrêt, ton coéquipier, toi. Et je sais toujours pas qui l'a sorti, pourtant j'ai vu le ralenti. Allez, allez. Eh, hey, Concarneau, Ligue 2. Concarneau gagne la Ligue 2. Oh, putain. À bout portant comme et ça, là, ils sont à combien, c'est quoi, un là petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Beansport. Ouais, j'ai Beansport si tu veux. Oui, oui, la tête. Non, mais non, vas-y. Oui. Non. Le ballon frôle le cadre et manque sa cible. Vas-y, il y a une ambulance là, on t'emmène à l'hôpital. La précision sur la puissance. Pourquoi je rigole? Eh, je vous jure, avec le jeu que je vais faire après, je vais moins rigoler de toute façon. Jordi Gaspar. Je pense que vous avez compris de quel jeu je parle. Hein. Un short est sorti tout récemment hier. Begraoui. La frappe. Eh oui, je parle bien de Hello in the Dark. T'es con, toi, je t'ai pas passé la balle. On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. C'est l'occasion de prendre l'avantage en usant les jambes de leur adversaire et en les faisant courir derrière le ballon. Mmh. Ah là là. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. 1 minute de temps additionnel. Et on a déjà perdu contre Caen cette saison. On va pas prendre l'avantage dans ce match.
Allons vers la surface. Voilà, oh, c'est qui le boss? Hein? Ah, c'est Bibi! 10,5. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et l'arbitre indique le corner. Le public s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Et pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une des pépites du football mondial. Ah bon? Allez, il faut lever la tête maintenant. Il faut s'entrer là-dessus. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Elle a frappé contrée. Le propriétaire du véhicule immatriculé DF053TL est attendu d'urgence en porte 12. Jordi Gaspar. Oui, sans faute, c'est récupéré. Avec un peu de chance sur ce côté. C'est compliqué, elle a tombé, attention. C'est contré. Ah ouais, je viens en pause. Geste défensif pour envoyer le ballon en corner. Oh là là. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Un corner qui est bien ajusté. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Ah, le ballon est enveloppé, mais cadre complètement loupé. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport au ballon. Total, rien ne fonctionne. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Gauche. Allez, cette passe, elle est bien vue. Très bon centre, mais personne à la réception. J'en fous, j'étais prêt à l'arrêter. Chose. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Et la possession change de côté. Mehdi Chahiri. Un ballon intercepté, bonne intervention. Plus que 5 minutes à jouer dans ce match et toujours ce score nul et vierge, 0-0. L'équipe n'abandonne pas évidemment, c'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Sitioko. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Oui, bien défendu. Ouais. Et huitième de finale. Et partage des points, 32 millions d'euros. On est à combien en Ligue 2? Les premiers, 2 points d'avance. Ah là là, on finit par Lille. Et ensuite, c'est Laval. Bon, les gars! Vous avez intérêt à gagner. Parce que moi là j'ai 97. Ok. J'ai au pied. Plongeon. Ah merde, je peux pas. Pourquoi c'est. Ah c'est 3. Bon bah j'ai au pied. J'ai 87 toujours. Oui.
Tu le mets le meilleur gardien de Ligue 2. Bon, en même temps, quand t'as 87 et que t'es en Ligue 2, c'est qu'il y a un souci, hein, déjà. Choisissez une tactique, choisissez une stratégie. Allez, Concarneau! Il faut battre Lille, ouais! Car le football, c'est ça. C'est pas des maths, c'est le destin. Mais est-il vraiment. Oh putain, il neige. Bonjour à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. Que vous soyez à Buenos Aires ou à ici les Moulineaux, non, la team Dada ne vous juge pas et est heureuse de vous accueillir. Et donc, tout de suite, ce huitième de finale de Coupe Nationale. Une affiche qui se joue dans une ambiance assez extraordinaire. Aujourd'hui, l'équipe en déplacement est clairement favorite. Mais attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. Et on va regarder la composition de cette formation. Non mais frère, c'est bon. Ah, je vais me faire harceler moi dans ce match. On va découvrir la composition de Lille. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ballon vers le premier poteau. À la parade, oh non! Mais non, mais j'en ai marre, bordel! Le ballon, mal renvoyé, et derrière, ça pardonne pas! Ça commence bien. 1-0, donc, au tableau d'affichage. Oh bah, Lille, c'est bon. D'ailleurs, j'ai même pas vu ce qui s'est passé dans l'action, je voyais rien. À cause du but, vas-y, ralentis. Là. Je voyais rien, il s'est passé quoi là? Attends, là, je comprends pas. Je l'ai arrêté, on est d'accord. Parce que là, elle est rentrée. Ouais. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. À tous les spectateurs à qui on n'a pas donné le programme tout à l'heure avant de prendre place aux tribunes, des stadiers vont venir vous en distribuer dans quelques minutes. Merci. Avec Jonathan David. Ouais, très bien défendu. Ah ouais, je parle plus. C'est le karma d'avoir. Bête foutu de la gueule des écolos et des vegans. Smiley. Oh, c'est pas grave. C'est que des écolos et des vegans, de toute façon. Comme on dit, c'est que des êtres aussi. Moussi Tiyoko. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. En retrait. Ah, il peut frapper pour égaliser. Oh putain, oh, il a parade. Eh hey, chevalier, va prendre ton cheval et casse-toi du terrain là, tu cassais bonbon, t'aurais pu laisser le ballon rentrer, non? C'est finalement dégagé. Oui, c'est ça un chevalier, les amis, si vous avez pas compris. Oui! Non! Mais non, mais putain, mais y'en a marre! Va prendre ton cheval là! Putain, je me marre. Oh, les gardiens comme ça, ça me gonfle. Putain, lui, il a de la chance là. Ouais, j'ai jamais rien, frère. Voilà la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Putain, il a fallu qu'on se tape direct d'entrée de gros. d'entrée de jeu, le gros. Oui, oui, oui. Non, mais non, mais vas-y. À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Corner. Vas-y. Et non. Ce corner est dégagé par la défense. Ballon en retrait. Elle a frappé contrée. Un corner est donc une opportunité d'égaliser. Pour le public, ce corner, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Chevalier tranquille, s'empare du ballon. Et voilà l'arbitre qui siffle. Je veux maintenant. Le début de la deuxième mi-temps, un but d'avance en faveur de Lille. Oh, désolé, c'est pas ce que je voulais. Oui, c'est récupéré ça.
Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, et bon. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention, parce que ça peut lui valoir des ennuis. Ballon pour retrouver la possession. Ismaili. L'action se poursuit. Jonathan David. Et le ballon est renvoyé. Attention. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Cet arrêt est absolument décisif parce qu'il évite à leur adversaire de prendre trop d'avance. Avec un but d'écart, c'est encore jouable. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. En retrait dans la surface. Et oui, le danger qui est écarté. Arrêt de jeu et c'est donc l'heure des changements pour les deux équipes. Le corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Fossurier. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, et le bon geste défensif, il fallait intervenir. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute, donc pénalty. Bah ouais, je suis d'accord là. Et oui, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. Et le bon centre là, peut-être. Ah, peut-être l'égalisation. Putain, mais non, mes frères, faut pas abuser là. Mais nique ta mère, c'est bon, j'en ai marre moi. Et en plus, il a raté le pénalty, ce con. Vas-y là, putain. Allez, niquez-vous, je veux plus entendre parler de qui que ce soit. J'arrête la carrière, c'est bon, voilà. Bien sûr, c'est une blague. Même si là, je parle énervé, ok. C'est qu'une blague. Quoi? Nantes, Lyon, Osasuna. J'en ai rien à foutre, putain. Mais non, mais vas-y. Il y a combien de pourcents de chance que, à chaque fois, je fais un arrêt, il y a toujours un putain de joueur qui est derrière. Mais dès que le bot, lui, fait un arrêt, y'a personne, ça m'énerve ça. Ou même dans la carrière attaquant, quand le gardien fait un arrêt et que le ballon revient, soit t'arrives pas à l'attraper parce qu'il y a un putain de défenseur qui la prend avant toi, ou soit elle revient jamais sur toi. Mais c'est n'importe quoi ce putain de jeu. Je vais retourner sur Alone in the Dark, à part crier, je vais rien faire d'autre. Là je crie aussi mais je veux dire crier de peur, ça m'a cassé les couilles. Donc c'est bon les amis. On se retrouvera pour un nouvel épisode la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Mais nique ta mère, putain, je sais plus parler. Et pardon pour toutes les insultes, je suis énervé. Reste une pisse, reste zen, ok. Non. Je retire ce que je vais dire. Pas reste une pisse, hein, parce que. C'est pas ce que vous dire, c'est peace and love, hein, plutôt. Bon, je me calme. On va boire un peu de Pepsi, hein. Voilà. Faut déjà ouvrir cette bouteille, là. Voilà. Voilà. J'ai soufflé. Donc voilà les amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis, à la prochaine.